Salut tout le monde, c'est Franco. On se retrouve sur un petit Resident Evil 2, un petit trophée rat de bibliothèque. Donc tout de suite, on commence. Fichier numéro 1, Léon, scénario 1. Donc il suffit de lire le document qu'on a sur soi dès le départ, lettre d'orientation. Fichier 2, lorsqu'on récupère le petit calepin sur le flic. Le 3, un petit peu plus loin, le rapport d'événements qu'on trouve au bout du couloir, côté ouest. Faire voir la map. Hop. Salle des opérations, côté ouest. Le quatrième, l'usage de la poudre noire dans le bureau. Voilà, dans le bureau ouest. Le 5, tout de suite après, on longe sur la droite. Un rapport d'opération. Et ensuite, juste au bout, notre première mission. Fichier numéro 6. Après, en face, dans la salle des casiers. Fichier numéro 7. Après, on suit le couloir, on rentre dans la salle, la chambre noire, du coup, fichier numéro 8. Voilà, chambre noire. Ensuite, on monte les marches. Instruction coffre portatif, fichier numéro 9, dans les vestiaires de salle des douches. Voilà, quand on monte les marches, tout de suite, la première porte à droite. Ensuite, on monte les marches encore, on va au troisième étage, on prend la clé PIC, ensuite on prend le couloir, et tout au bout du couloir, on a le fichier 10. Puis, on continue sa route, dans la pièce à côté là où il y a le C4, on trouve un document, le 11, dans la salle de stockage ouest. Après, on revient par le hall, on prend la première salle en haut, au deuxième étage, là où il y a un coffre-fort. Fichier numéro 12. Dans la salle d'attente. Puis on continue dans la salle d'art. Fichier numéro 13. Fichier 14. Dans le bureau des stars. Dans le bureau d'Albert Wesker. Derrière son bureau, on trouve un document. Ensuite, dans les cellules. Là où on prend la manivelle. Fichier numéro 15. Un petit peu plus loin, toujours dans les sous-sols. Dans le stand de tir, on trouve deux documents. Donc un ici et un juste à côté sur le petit comptoir. Fichier 17. Après, dans la morgue, continue sa route, hein, à la morgue, tout de suite à gauche en rentrant, rapport d'autopsie, fichier 18. Après, beaucoup plus tard, on va dans c'est quoi ça, la tour de l'horloge, on trouve un document. Après, dans la salle d'observation, au rez-de-chaussée, on trouve un document qui nous donne le code d'un coffre. Puis quand on a ouvert les cellules, on trouve la note de Ben sur la table et la transcription d'entretien qu'on trouve sur lui. Fichier 22. Avec Ada, premier document qu'on trouve en descendant. Hop. Et puis le dernier document qu'on trouve juste avant d'ouvrir l'incinérateur. Après, beaucoup plus tard dans les égouts, on trouve un document en haut d'une échelle. Juste avant de descendre ici. Là, on en trouve un autre juste à côté du magnétoscope. Et quand on suit toujours zone d'accès, là où il y a les pièces d'échiquier à mettre, dans la salle de surveillance. On continue sa route. Quand on va chercher l'outil T, on trouve un document tout en bas, funiculaire, à côté du funiculaire.
Puis, beaucoup plus tard, quand on aura pris la clé pour retourner au commissariat, on trouve un document qui nous donne d'ailleurs un code pour le SZF, pour un cadenas. Fichier 30, lettre au Star, lorsqu'on prend le Magnum. Après, dans le laboratoire, on trouve un à l'entrée, tout de suite à droite, puis ici, accroché au mur. Voilà. Fichier 32. On continue sur le cadavre. On trouve un enregistrement. Fichier 33. Après, juste avant de faire le mélange pour les plantes, fichier 34. Tout en haut, avant de prendre le modulateur, on trouve une petite note sur une chaise. Fichier 35. Dans le laboratoire, pour refroidir la solution, un ordinateur, on trouve fichier 36. Après, une fois qu'on a le pass niveau 3, on peut accéder à cet ordinateur qui nous donne accès au fichier 37. Quand on a allumé l'électricité dans la zone au nord, ou ouais, je sais plus, on trouve un document. Là, on va trouver le document 39 sur l'ordinateur de Birkin. Et le dernier document, il y a 40 documents avec Léon. On peut le faire, certains peuvent être pris avec Claire aussi, hein, mais j'ai préféré commencer avec Léon. Et le dernier, voilà, c'est celui-ci, quand on prend le virus. Voilà. Donc après, ça va être avec Claire, scénario 1. Donc c'est la lettre qu'elle a sur elle, en fait. Il suffit de la lire. Ensuite, le rapport sur la poudre noire, il faut le relire avec Claire, parce que c'est pas, il est légèrement différent. Ensuite, ça va être tous les documents qu'on ne peut pas avoir avec Léon, donc spécifiques à Claire. Quand on arrive proche de l'ascenseur pour aller pour retourner au commissariat, un article de presse. Puis, lorsqu'on arrive dans le bureau d'Iron, du chef de la police, on trouve un document sur son bureau et un document sur la petite table. On fait deux documents. Voilà, le 44 et le 45. Après, on continue sa route, là où on va chercher la clé cœur. Du coup, on trouve directement un document juste avant de trouver la clé cœur. Sur la gauche, hop. Après, avec Chéri, on en trouve trois. Donc un tout de suite quand on sort de sa prison. En descendant les marches tout de suite sur la petite table. Le 48. Et juste avant la salle, enfin juste avant la machine à écrire, on en trouve un autre. Fichier 49. Après, quand on revient avec Claire, on monte à l'étage et on va par la salle qu'on ne pouvait pas accéder avec Chéri. Et il y a un document tout de suite posé sur le banc. Après, lorsqu'on arrive dans les égouts avec Claire, on prend la porte. Et ici, accroché sur le tableau, il y a un document. Et le dernier document avec Claire est au laboratoire lorsque l'on pose Chéri. Dans le lit, il y a un ordinateur sur le côté. Voilà, dans la salle de sécurité, tout de suite ici, il y a un ordinateur et ça nous donne le 52. Ensuite, pour le reste, ça va être dans les scénarios 2, Léon ou Claire.
Faut prendre la petite page direct quand on arrive. La page qui est déchirée, le morceau de papier. Ça, c'est le document 53. Le document 54, ça va être le petit calepin que l'on trouve sur le banc où était allongé Marvin. C'est le 54. Et après, pour les 4 autres documents, il va falloir le faire avec Léon et avec Claire. Donc il faut aller dans le bureau des Stars. Voilà, pensez bien à le faire avec Léon et avec Claire. Ce n'est pas les mêmes documents. Donc là, c'est Claire qui laisse une note pour Léon et l'inversement pour l'autre personnage. Et la même chose, on le retrouve là où on trouve l'outil hanté. Les deux personnages se laissent des mots. Voilà, ici. Hop. Tout de suite. Sur la gauche, la petite note. Voilà, faudra bien le faire avec les deux personnages. Et voilà, les 58 documents. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut tout le monde!